le siman Res Samech Aleph, la halakha Bet. Je fais vite fait la halakha et après on a fait déjà le Mishnah Bura, d'accord? On a fait la Mishnah Bura. Maran al Shulchan Aruch nous dit yesh omrim shetzarei laosif mechol al hakodesh. וזמן תוספת זה הוא מתחילת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין השמשות והזמן הזה שהוא שלושה מילין ורביעה רצה לעשותו כולו תוספת עושה רצה לעשותו ממנו מקצת עושה ומלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודיום מחול על הקודש וסיעור זמן בין השמשות הוא שלושת רבעי מיל שאין מהלך 1500 אמות קודם Alayla, il nous dit Maran. Il y en a qui disent qu'il faut rajouter Mechol à la Kodesh. Comme on avait dit que c'est. Il y en a qui disent que c'est de Ravana, il y en a qui disent que c'est de Oraita. Il faut rajouter Mechol à la Kodesh. Et tout ce zman-là, de rajouter Mechol à la Kodesh, ça commence comment? Mitrila Tashkia. Qu'est-ce que veut dire Trila Tashkia? Il y a une Shkia, la première Shkia. She'en Hashemesh Niret ala Aretz, que tu ne vois pas le soleil sur la terre, jusqu'à le temps de Ben Hashmashot. Ad Zman Ben Hashmashot. Ce temps-là, ça s'appelle Tosefet Shabbat. Ve'azman Azeh, et ce temps-là, c'est combien? She'u Shlosha Milin Urviya. 3001 quart. Maintenant. 3000 et un quart, 3000, chaque mille, ça, c'est machloket. Est-ce que c'est 18 minutes ou c'est 24 minutes? Nous, on tient que c'est 18 minutes, le mille. Alors, 3000 et un quart, ça fait 50 minutes, 58 minutes et demie. Ratsala soto, maintenant ce temps-là, c'est 58 minutes. Ratsala soto kulo tosefet osse. S'il veut faire tout ça tosefet, il peut faire. Ratsa la sot pimeno miktsat, on sait, s'il veut faire un peu de 58, ça aussi bien. Ça aussi, ça s'appelle Mosif Pichol la Kodesh. Umilvad, chez Yosif, Ezezman, il faut que lui, quand il rajoute, ça s'appelle que Vadai, chez Yé, Laila, au Mosif, Yom, Slicha Yom, Mechol la Kodesh. Mais chez Ozman, Menashmashot, après maintenant, Menashmashot, qu'est-ce que ça veut dire le temps de Menashmashot? Shloshet rivei mil, trois quarts de mille. Combien c'est? Trois quarts de 18 minutes. Ça veut dire combien? 13 minutes et demie. Chez M, que ça, ce temps-là de 13 minutes et demie, c'est le temps qu'un homme y marche. 1500 pas. 1500 amas. De toute façon, c'est pareil. Avant la nuit. Ok. Maintenant, Mishnah Bura. Alors, d'après Maran, on comprend comme ça. Que le temps il se divise, que quand tu vois plus le soleil, ça commence la Shkia. À partir que tu vois plus le soleil, jusqu'à la première Shkia, la deuxième Shkia par contre, ça s'appelle 58 minutes et demie. Après les 58 minutes et demie, tu as 13 minutes et demie, et en tout, ça fait 4000, c'est 4000 multiplié par 18, c'est 72, ça s'appelle Tzetakochavim. Bon, maintenant, on est à Mishnah Bura vite fait. Mitrilat Ashkia Udat Rabinutam, le Siato. Ça s'appelle Rabinutam et c'est là qu'ils sont associés. Il se vire à l'Eyahu de Shneshkiot, que d'après Rabinutam, il pense qu'il y a deux Shkiot. Mitrilat Nirset Achama, mais Nenu Rishokat. En premier, le soleil, lui, se couche et on ne le voit pas. Ve'u Nitrat Trilat Ashkia, ça s'appelle le début de la Shkia. Et c'est ce temps-là qu'il passe. C'est 3000 et un quart. Ça s'appelle la journée. Et après tout cela, ça commence la deuxième shkia. Que la lumière, le jour, il se couche entièrement. Et ça s'appelle la fin de la Shkia. Venimshar Zmana Kedeshiu Maalach Shloshet Revemin. Veu Elef Vachamesh Meot Ama Veu Ben Hashmashot. Et ça s'appelle Ben Hashmashot. Ve'ahakar. Après tout cela, Yoshosha Kochavim Benoniim Shem La Siman Laila. Il sort les trois étoiles Benoni. Que ça c'est la nuit.
Réellement, on les voit déjà à la première shkia. Comment? On les voit à la première shkia. La première shkia, ouais, mais ça s'appelle Gdolim. Gdolim, ça s'appelle. Ils sont Gdolim, non? Non, mais là, il te dit, ça s'appelle Gdolim. Il faut savoir, quand c'est la... Tu verras, on verra. C'est une grosse... On verra maintenant. Mais on verra comment le Rabbi Noutam, c'est pas le seul. Il y a le Agra, il est cholé sur Rabbi Noutam. Et lui, il explique. Il parle pas de Kohavim. Envoie des nus. Non, il parle... parce que non, l'Agmara, elle parle de Kohavim. L'Agmara, dans le Shabbat, elle parle de Kohavim. Même le Bet Yosef. Ok. ונמצא שלדעתו מתחילת השקיעה יצאת הכוכבים היא ארבע מילים. דפרי לוי, דפרי רבי נותם, הפרצים כל הסולי יסוקוש, יצאת הכוכבים זה קט מיל. והם במה שכתבנו בסמור, דה הרבה פוסקים חולקים על זה, וסביר על יהוד עם יד שנתכסה החמה, מעינינו ובנחשות, שהוא ספק יום וספק לילה. ינודי כל הבא, יד פוסקים כיסון חולקים סוסולה, ידיס כדי כל הסולי יסוקוש, לפחום יחפואה, ça s'appelle Ben Hashmashot, et juste après, ça s'appelle Vadaï Laila, d'après les autres poskim. Alors il y a Machloke. Est-ce que quand le soleil il se cache de nos yeux, ça s'appelle Lashkia, et 13 minutes et demie après, c'est Yom, ou c'est encore Laila, ça devient Laila? Ça c'est la Machloke. Franchement, il aurait dû être trouvé à comme on sait pourquoi, parce que Mao Sercha, vous devrez être un Mashia. Non, c'est la même journée. Non. 24, c'est 24. C'est 24 heures. Hein, comment tu la vois ces 24 heures? Est-ce que la moitié du jour ou la moitié du jour? Comme ça, donc c'est de toute façon, il faut savoir, Shabbat, on verra. Pour Shabbat, on change. On ne fait pas comme Rabbi Noutam pour Shabbat. Pour Rabbi Noutam, on fait rien, mais c'est à Shabbat. Ah ben là, mais c'est à Shabbat. On verra ce qu'il va dire. Bon, accrochez-vous. Voilà. Maintenant, on est dans le Biur Halakha. Quand le Biur Halakha, il est à gauche, Mitrilat Ashkia. Tam le kol ze din le psachim tzadik a tzadik dalet ita de mishkiat hachama tzadik oramim shiu arba milin. Tout ce tam, toute la raison pourquoi maintenant il dit Rabbi Noutam ainsi, c'est écrit dans Psachim que le temps de shkiat hachama, que le soleil se couche jusqu'à tzadik oramim, c'est 4000. La Gemara pose là-bas la question, combien c'est le temps de tzadik oramim, ben hashmashot, il te dit 4000. Ou be Shabbat, Maseret Shabbat, Laba Tzadik Dalet Tzadik Hei, ils te disent que Ita, à partir de Mishkiat Hama, ça commence Ben Hashmashot. Là-bas, selon Rabba, Aliba de Rabbi Yehuda de Paskinan Kvate, selon Rabba, que lui, il dit au nom de Rabbi Yehuda, et que nous, on pense comme lui. Ça veut dire que la halakha le maase, on pense comme Rabbi Yehuda selon Rabba. Ve'amar sham, et là-bas dans le Shabbat, le meshech ben asmashot, tlata rivei mil. Le temps de ben asmashot, c'est trois quarts de mille. Ve'ahakach ve'laila. Et après, ça s'appelle la nuit. Ve'amrinan sham de gimel kochavim benonim et ve'laila. Et là-bas, ils disent que trois étoiles benonim, c'est la nuit. Imken kashéa adade. Ça se contredit. Une fois tu me dis trois quarts, c'est Ben Hashmashot et Kochavim Benonim, c'est Laila. Mais une fois tu me dis après 4000, ça c'est Kochavim Benonim et c'est Laila. Ve'al ken teres Rabbi Noutam, c'est un Tosfot là-bas. Tu peux voir, il y a un Tosfot. Ça c'est Rabbi Noutam. Tosfot, Rabbi Noutam, Vesiato, Lehalek. Ben Shkiyat Hama d'Ibsahim et Shkiyat Hama chez Shabbat Sham. Que il veut maintenant faire une différence entre les deux, entre Maseret Shabbat et Maseret Psahim. De quoi il s'agit? De Haï de Psahim ou Atralat Ashkiya Mishkiyat Gouf Hashem et Shinichnesa Meedenu. Dans Maseret Psahim, quand c'était dit 4000,
C'est quand le soleil il commence à se coucher et on ne le voit plus. Ok? On met az. Et à partir de ce moment-là que tu ne vois plus le soleil, jusqu'à tset akoravim, c'est 4000 en tout. On met shetishka hama dans ma seret Shabbat. Et quand c'est maintenant, tu veux arranger maintenant la stira que c'est écrit dans ma seret Shabbat, c'est écrit là-bas mishkiyat hama. De quoi il s'agit? Sham ou sof ashkiya. Ça veut dire dans ma seret Shabbat quand c'est écrit shkiya et après c'est tset akoravim. Kochavim benoniim, ça c'est la fin de la shkia. Chez où que chez Nishka gam or haShemesh merov haRakia letzad levad tzad haMaharavi. Ça veut dire que quand maintenant le soleil il se couche, bien après le côté l'ouest, pas le côté le côté Zricha c'est l'est, à l'ouest, et il va vers l'est. L'inverse. Il se lève à l'est, il va à l'ouest. Alors le côté de l'ouest, il est bien bien au fond, presque en tout c'est 4000. Ou Me'az Matril, et avant que ça commence les Ben Hashmashot, c'est-à-dire après 58 minutes et demie, ça commence les Ben Hashmashot, ou Me'az Matril Ben Hashmashot, chez Ougimir de Vremil, Kodem Tzedakorabim, que ça c'est 3 quarts. De 1000 avant les sorties des étoiles. On met Atralat Ashkia chez où? Shkia Gouf Hashemesh Asof Ashkia Aniska Aniska Lehem ou Yom. Et à partir que quand maintenant le soleil il se cache de nos yeux, jusqu'à ce temps-là, que c'est 3 quarts de 1000 avant cet accord à vivre, c'est 58 minutes. Et demi, ça s'appelle Yom Vadaï. Et même que tu vois que c'est nuit. Si vous voulez vraiment voir comment monter dans une montagne, vous montez dans la montagne, vous allez voir c'est une noix, mais en bas, il fait encore jour. Vous voyez encore ces jours. C'est pas l'apparence. Nous, c'est vrai que l'œil, il voit qu'est-ce qu'il a. Mais des fois, par exemple, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Après Plag HaMincha, c'est la nuit déjà. D'après Maran Ashurana Ur, il est posé comme lui. Maran Ashurana Ur, il te dit que tu veux faire Kriyat Shema d'après lui, tu peux faire Arvit d'après lui, après le plaque à Mincha, tu peux faire, c'est nuit. Ah, mais il fait jour dehors. Laisse tomber. Même qu'il fait jour, c'est nuit. Le matin, à partir de l'aube jusqu'à Alot Ashara, jusqu'à Slicha et le Nes, combien de temps c'est? 72 minutes. Ah, c'est l'aube. Ah, il fait jour. Non. Regarde dehors, il fait encore nuit. Même qu'il fait nuit dehors, et ça s'appelle qu'il fait jour. Comment? Alors t'as chacha. Même que ton œil voit qu'est-ce qu'il voit, ça ne veut pas dire maintenant que c'est le contraire. Que c'est ça, c'est le contraire, ça fait le contraire. Alors pour l'instant, on a, quand le soleil se couche, 58 minutes. Il faut voir, après le Mishnah Berurah, lui dans Biyur Halakha, il va nous expliquer. Qu'il faut bien bien entendre jusqu'à la fin, qu'Alakha le Maasé, on est marmi rien que pour la sortie de Shabbat. Mais pour Knissat à Shabbat, il faut faire attention, on n'a pas le droit de faire comme Rabbi Noutam. Parce que c'est ça fait que ce qu'il a, on fait comme les Géonis, on fait rentrer Shabbat comme le temps des Géonis. Dès qu'on ne voit plus le soleil. On s'assure qu'on a plus à moitié. Hein? On s'assure qu'on a plus à moitié. Parce que si ça fait que ce qu'il a à la sortie de Shabbat. Voilà. Ça s'appelle. Alors, il faut aller les Khumra rien pour la sortie, mais pour la Knissa, il faut être les Khumra pour les Shitat à Géonim. On essaie d'aller les Khumra, mais pas les deux. Ce qu'il a. Et on verra maintenant aussi, il y a encore une autre Shita, comme Eliezer Mimitz, que lui, il dit que c'est un quart d'heure avant la Shkia, c'est Shabbat. Ça s'appelle Shkia. C'est Shkia. Hein? La première Shkia de Géonim. La première Shkia des Géonim, ça c'est la Shkia. C'est un quart d'heure avant cette Shkia-là, ça s'appelle. Et nous, on est Mahmirim. Nous-mêmes, comment on fait? Comment est la Minag? On allume le bougie 20 minutes avant? Ah oui. Mais moi, j'aurais dit que si on allume 20 minutes avant, pas pour ça. On allume pour une autre raison 20 minutes avant. Alors on doit allumer comme les Ashkenazim, 40 minutes avant, comme dans le Tikkun. Non. Oui. 20 minutes, ça suffit. Oui. Mais si on va aller comme lui, on n'allume pas. Aujourd'hui, 20 minutes avant la Shkia,
c'est pas par rapport à ce qu'il a dit Rabbi les Zahmites. Alors on doit faire comme Rav Tikhutinsky, 40 minutes avant. Il a gros jamais. Si c'est pas, seulement, c'est pas après ce qu'il dit Rabbi les Zahmites qu'on allume 20 minutes avant, aujourd'hui, alors on doit faire comme les Ashkenazes. Seulement si tu prends Shabbat sur toi. C'est bien avant que le soleil se couche. Il n'a rien à dire. Si tu veux prendre 40 minutes avant. Ah, je ne sais pas. Je demande pourquoi on fait ça aujourd'hui, 20 minutes avant. Et... Non, mais lui, c'est pas son temps. C'est pas son temps. C'est pas son temps. Hein? Barra la choukana ouf, tu verras à la ragimel. Quel est le temps que nous, aujourd'hui, on fait 20 minutes avant? C'est dit. Le rabbi Eliezer Mimitz. C'est par rapport à ça? Il parle qu'un quart d'heure avant la shkia, c'est déjà Shabbat. C'est shkia. Top, on continue. Ve ou mesher gimel. Milin Urvia. Mais As, ah maintenant c'est 3 mille et un quart. Que ça s'appelle jour d'après Rabbi Nouta. Mais As, Ousman Tosevet Shabbat. Ouchmoi Shekatav Kam de Shouchanao. Mais Ben Koulam, Emma Arba Milim. Et d'après tout le monde, ça s'appelle 4 mille. Mais Ad, Arba Milin, Miat Filat Ashkia, Loé Vela et Lavadai. Et d'après les 4000 jusqu'à le commencement de la Shkia, ça ne s'appelle pas Vadai Laila. Zehu Shitat Rabbi Utan ve Siyato. Voyez les Kama Besiman Shin Lamed Alef Seif Hey Bemagen Abraham Mashma Shigam Shisham Da'ato Le Alacha Keshita Zo. Il faut voir là-bas dans le Siman Shin Lamed Alef, là-bas. Dans le Magal Abraham. Magal Abraham, c'est un des Gdolim Ma'ayanim, très puissant chez les Ashkenazes, que lui, il pense comme Rabbi Noutam. Donc, on s'arrête là. Après, on verra que le Agra, que le Gaon Mivina, lui, il est Holek sous Rabbi Noutam. Et lui, il explique comment, même qu'il y a des styrotes dans la Gemara, deux Gemarotes, une Gemara qu'elle dit trois quarts de mille, et une Gemara qui dit 4000, mais là comment ça s'arrange, on verra cela un autre jour.